Barbra Streisand. Barbra Streisand. Alors le biketrial, ben, c'est un sport très peu connu. C'est à peu près, ça a débuté aux environs de, ça fait à peu près 30 ans que ça existe. Le principe du trial, en fait, c'est très très simple. On a 10 parcours à répéter deux fois, et le premier pilote, ben, c'est celui qui pose le moins de pieds au sol. En fait, c'est des parcours qu'on doit effectuer en 2 minutes. Il y a des obstacles, bien sûr, environ une dizaine d'obstacles suivant les parcours, plus ou moins durs. Et donc voilà, on doit faire ces parcours sans poser le moins de pieds au sol. Voilà, alors il y a plusieurs catégories. La plus petite, c'est la catégorie espoir. Donc c'est des petits qui vont entre 7 et 8 ans. Et puis après, il y a la catégorie élite. En tout, il y a 6 catégories. Et la catégorie élite, ben, c'est la catégorie la plus forte. Là, on est en équipe de France de bike trial. Donc ça fait moi, ça fait 13 ans que je fais du vélo. Alexandre, ça doit faire à peu près 10 ans. Et son frère, ça doit faire 8 ans aussi qui fait du trial à haut niveau. Donc on fait partie du gratin mondial dans la discipline. Voilà. Alors les Français sont on est numéro 1 dans la discipline. Il y a aussi beaucoup de disciplines comme nation, comme l'Espagne et le Japon qui sont vraiment au top niveau. Mais c'est vrai que les Français on se débrouille pas mal. Bien, moi ça a été un petit peu par hasard en fait, parce que mon père faisait à l'époque de la moto trial, et donc j'étais très jeune, j'avais 7 ans, et j'essayais de reproduire un petit peu ce que lui faisait en moto à moi en vélo. Et donc petit à petit, ben, mon VTT classique, disons, s'est cassé, et à partir de là on a cherché un vélo plus adapté, et c'est là qu'on a débuté le trial. Et après très vite on s'est plongé dans ce monde là avec une super ambiance, et ça m'a vraiment beaucoup plu, et c'est ce qui m'a donné un petit peu l'envie de continuer d'être là aujourd'hui, quoi. Ben, moi je suis les traces de mon grand frère, je fais à peu près tout ce qu'il fait, donc je suis beaucoup, et j'ai eu la même envie que lui, monter des obstacles, avoir cet esprit de compétition également, et du coup, ben, je l'ai suivi, et maintenant je suis là aujourd'hui grâce à lui et à Eva. Alors ce sport, il faut quand même savoir qu'il peut être pratiqué par tous, que ce soit vraiment des plus jeunes ou même des plus âgés. On trouve des papas qui s'amusent sur leur vélo, c'est assez marrant. Et les plus jeunes également, à partir de 6-7 ans, il y a des vélos spécialisés pour eux, adaptés. Et donc après, à partir de là, on peut se rapprocher des clubs. Donc il y a des clubs qui existent un petit peu partout dans la France. Et l'un dans les Pyrénées-Orientales, c'est le Biketrial 66. Et donc le siège est à Perpignan, et voilà. Après il y a des encadrants, des entraîneurs, et on participe, on va dire, tous au développement de la discipline, en s'entraînant ensemble, entre copains, voilà. Donc c'est vraiment très convivial et c'est assez plaisant. Bah, oui, moi forcément, étant catalan, forcément on est derrière notre équipe. Et voilà. Ben, moi je fais moi-même du rugby également, et je suis un très grand supporter de l'USAP, et j'espère qu'aujourd'hui ils vont l'emporter. Un score sera dur, mais en tout cas je pense que le match va être très dur, très serré, et j'espère bien sûr que l'USAP va s'imposer dans les générales. Bon, moi je verrais pareil, un match très serré, un pack assez costaud, donc je pense que ça se verra dans les 25-17 pour l'USAP. Allez. Ouais, ça va être pareil. Comme quoi.